Samir Boumaraf, bonsoir. Vous êtes responsable régional de la MGEL. À l'initiative de votre mutuelle, un microcrédit social pour les étudiants alsaciens a vu le jour. C'est un dispositif unique en France. Qu'est-ce que ce microcrédit? Le microcrédit social étudiant, comme vous le dites, c'est d'abord une innovation qui naît en Alsace, donc à l'initiative de la MGEL, mais en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations et BNP Paribas. Alors, le microcrédit, ce sont des petits prêts qui vont de 300 à 3000 euros accordés à des étudiants pour leur permettre de financer des projets en lien direct avec leurs études. L'autre originalité du dispositif, c'est que ce sont des prêts qui sont garantis par le Fonds de cohésion sociale que gère la Caisse de dépôt et consignation. Donc c'est une garantie qui est apportée à 50% des prêts consentis, ce qui rassure le banquier et ce qui nous permet de proposer ce microcrédit à tous les étudiants, sans distinction et notamment sans condition de ressources. Alors, vous avez un peu répondu à ma question suivante. Qui peut en bénéficier? A priori tout le monde, alors, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça, tout le monde. Alors, vous savez que traditionnellement, des étudiants sont exclus du système bancaire, notamment s'ils n'ont pas des parents pouvant se porter caution, ou bien s'ils viennent d'autres régions du monde. En Alsace, et particulièrement à Strasbourg, on a quand même 27% des étudiants qui sont des étudiants étrangers. Donc, avec la garantie du Fonds de cohésion sociale et l'engagement de la MGEL, on devrait réussir à apporter cette solution de financement à un spectre extrêmement large d'étudiants. Alors, vous le disiez, c'est censé quand même les aider dans la progression de leurs études. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples pour lesquels ce prêt pourrait être accordé? Alors, il est très encadré ce prêt, parce que l'objectif c'est vraiment de financer des projets d'études et non pas se payer la dernière PlayStation ou encore un écran plasma. L'objectif du financement sera autour de quatre projets. Le logement, permettre à un étudiant de payer sa caution ou bien d'avancer les mois de loyer qui peuvent lui être parfois demandés. C'est aussi financer la mobilité. Vous savez que de plus en plus d'étudiants sont amenés à aller faire une partie de leurs études à l'étranger. Eh bien, en l'espèce, les aider à financer ce départ à l'étranger. Un troisième domaine dans lequel on interviendra, ce sont les frais de scolarité qui sont symboliques en début d'études, mais qui progressivement, quand on avance dans les études, deviennent de plus en plus importantes, mais également par exemple pour financer des concours. Et le quatrième domaine d'activité sur lequel ce microcrédit interviendra, c'est également la santé, puisque vous savez qu'il y a certaines dépenses de santé qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale et par les mutuelles complémentaires, et là en l'espèce ce microcrédit pourra les accompagner. Quel peut être le montant de ce prêt? Alors, comme je vous l'ai dit, entre 300 et 3000 euros, on imagine une moyenne de 1500 euros sur l'ensemble des dossiers que l'on aura à financer. Et l'intérêt du microcrédit, c'est le délai de remboursement. On va pouvoir rembourser sur 36 mois avec un différé possible de 24 mois. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, pendant 2 ans, avoir le temps de voir la concrétisation de son projet pour lequel on a choisi le microcrédit et commencer à rembourser qu'au bout de 2 ans. Alors concrètement, quelle marche à suivre pour les étudiants qui pourraient être intéressés? C'est très simple, se rendre dans l'une des agences MGEL où des conseillers recevront ces étudiants. Ils étudieront leurs conditions d'éligibilité. On en a une, c'est d'être inscrit notamment en première année d'études. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que c'est à partir de la deuxième année que les projets d'études se stabilisent. Donc à partir du moment où on respecte cette condition et qu'en plus on souhaite financer un projet d'études, on rencontre un conseiller de la MGEL qui va étudier l'ensemble de ces éléments et soumettre le dossier ensuite à notre partenaire bancaire BNP Paribas. Et la démarche n'est pas finie puisqu'une fois le prêt accordé, il y a une relation régulière qui s'établira entre le bénéficiaire du microcrédit et la MGEL puisque dans l'organisation du microcrédit, il faut ce que l'on appelle un réseau accompagnant qui va permettre au bénéficiaire du microcrédit de maximiser ses chances de rembourser son prêt. Et donc la MGEL régulièrement fera un point avec les bénéficiaires et leur permettra notamment de suivre des formations pour trouver un job pendant l'été par exemple, ou bien solliciter des aides publiques qui vont les aider effectivement à mettre toutes les chances de leur côté à rembourser leurs prêts à l'échéance. Combien de temps il faut compter entre le dépôt de la demande et puis l'obtention du prêt? Alors, on débute, ça a débuté cette semaine, donc je ne sais pas encore vous le dire, mais ce que je sais, c'est que l'ensemble des acteurs du microcrédit, BNP Paribas, la CDC et la MGEL, sont mobilisés pour que ça soit le plus rapide possible. On a lancé le dispositif il y a quelques jours, on a déjà eu beaucoup de demandes et elles sont en cours d'instruction.
Samir Boumaraf, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Au revoir.